Bonjour à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce que je suis en train de fabriquer avec de la récup. Nous sommes en période de confinement, je n'ai absolument aucun moyen d'acheter du matériel, donc je fais avec ce que je trouve. Alors il s'agit là d'une torsadeuse que j'essaye d'adapter sur mon tour. Alors vous voyez, hein, c'est de la récup de tout, hein, la pignonnerie. J'ai branché directement ça sur l'axe. Donc après, quand on va tourner. Voilà, vous entraînez le mandrin. Là, vous avez que du rail alu hein, que j'ai récupéré. La récup de partout. Que de la récup. Et pour l'instant, tout ça, c'est fixé avec un serre-joint. Alors, autre chose. Désolé pour le doigt. Là, vous pouvez voir, il y a un système qui me permet de régler l'avance pour attaquer la profondeur de coupe. Alors le bois qui est dessus, hein, il est absolument pas travaillé. C'était pas le but. Hein. Le but là, c'est plus de faire des premiers essais de torsade. Donc je m'approche et je démarre. Je démarre. Ah bah je démarre, oui, je démarre. Mais j'ai pas mis le courant. Alors on va aller mettre le courant. Ça devrait aller mieux maintenant. Et on va mouliner tranquillement. Pas du tout, pas du tout travaillé, c'est pour ça que on va pas trop garder ça pour l'instant. Voilà. On continue. On attaque. Doucement. Vous voyez bien, le bois n'est pas du tout cylindrique, hein. C'est pas le but. Hein. Bien, très grosse croix. Alors, c'est pas si avec du tout, mon bon, hein. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de faire voir la spirale. Voilà la première spirale. Alors, bien sûr, hein, le rapport de réduction n'est pas bon non plus, mais j'arrive pas autre chose. C'est ce qui fait que bah, pour l'instant, on a une spirale dont la pente n'est pas aussi importante que ça. J'ai fait plusieurs passes, ça fait une spirale. On voit bien que là, tout ça, ça a du jeu un peu partout. Hein, donc du coup, c'est pas très 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 régulier, il va falloir améliorer tout ça. Comme je vous dis, c'est des essais. J'ai fait que des essais avec de la récup. Donc, prochaine étape, ça va être bien sûr de raccourcir cet axe-là pour venir le plus proche possible ici. Pour vraiment avoir un alignement parfait et pas du tout de jeûne et du tout qui flotte. Agrandir cette poulie parce que vous voyez bien que là, c'est pas assez pentu. Donc, il va falloir que j'agrandisse la poulie. Mais bien sûr, tout ça que quand j'aurai le temps de faire des courses. Parce que là, je suis confiné. Et comme je vous dis, je fais avec ce que j'ai. Donc voilà, vous venez d'assister à la première essai d'une torsadeuse faite maison qu'avec de la récup. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon bricolage. À ciao.